petite vidéo aujourd'hui, je suis heureuse, il fait un temps magnifique. D'ailleurs j'ai mis des couleurs qui pétouillent jusque sur les ongles. Désolée, c'est mon PC qui se met en route. Donc je vais faire quelques vidéos aujourd'hui et la première vidéo que je voulais vous faire, c'est sur une palette Sleek. C'est une palette que j'ai achetée sur Déclic Makeup, le site que Peggy Makeup a créé. Et je voulais vous en parler parce que je l'ai testée une ou deux fois et puis je l'aime beaucoup beaucoup, comme toutes mes palettes Sleek d'ailleurs. Puis là je voulais vous faire les swatchs. Donc c'est la Garden of Eden. Voilà. Vous avez pu la voir dans ma vidéo haul Déclic Makeup. Donc c'est la 447 Garden of Eden. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Hop. Donc je vous la représente vite fait pour celles qui n'ont pas vu le haul. Donc toujours dans les palettes Sleek, il y a l'embout-mousse que je ne me sers pas. Vous avez les fards qui sont comme ça. Donc c'est un peu dans les verts marron, un peu de prune, un peu d'oranger. Vraiment les couleurs du jardin quoi. Vous avez toujours le petit papier avec les noms des fards là et toujours le grand miroir chez Sleek hein. Les palettes Sleek sont vraiment très très belles. Alors on va commencer par la première ligne qui est plus dans les tons marron. Je vais sortir une lingette déjà parce que je mets les doigts dedans, je vais m'en mettre déjà partout. Alors on y va tout de suite. Je vous fais les swatchs, après je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Donc la première couleur, c'est la Gate of Eden. Alors, il est comme ceci. Hop. Voilà, donc c'est un léger doré, on va dire. La deuxième couleur, c'est la Eve Kiss. Qui lui est un tout petit peu plus poudreux. La troisième couleur, c'est Paradise on Earth, Paradis sur Terre, qui est une foncée top limite Bordeaux. Ouais, c'est un top avec un petit peu de prune, mais on ne voit pas très bien. Je vous montre ça. Voilà. Je vous montrerai ça après quand j'aurai les quatre. La quatrième, c'est la Python. Voilà. Qui est une très très jolie couleur, un marron très sympa. Donc là vous avez les quatre premiers. Voilà, la cinquième c'est la Forbidden, qui là c'est une couleur avec un petit peu plus de paillettes. C'est un top très léger avec des petites paillettes dorées. Je sais pas si vous allez les voir les paillettes, non. Voilà, et la dernière de cette première ligne, c'est la Flora, qui elle est un mat. Excusez-moi, un marron mat. Voilà. Voilà donc, je vais vous remontrer la palette. Hop, comme ça. Donc, toute cette première ligne là, voilà ce qu'elle donne. C'est dans le bon sens. Voilà. Des couleurs assez sympas. On peut faire des maquillages nude très sympas. On a des irisés, des mats, des pailletés. Voilà. Très belle couleur, très jolie palette. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. Elle est plus basée sur les verts, comme vous pouvez le voir. Donc les mats toujours. Excusez-moi pour la toux. Vous avez du mat hein, qui est ici, du irisé, du pailleté, voilà. Donc on y va pour la première ligne. Alors la deuxième ligne. Le premier c'est le Entwined. Qui est une couleur mat également. Voilà, qui est un très joli taupe. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça fait des très jolis make-up. La deuxième, c'est le Adam's Apple, donc la pomme d'Adam. Qui est un très joli vert. Très joli vert, pareil, qui est assez, assez clair. La troisième, qui elle est complètement satinée, c'est la figue. Très joli vert satiné, irisé.
Ensuite, la quatrième, c'est la Evergreen, qui est une couleur à tomber par terre. Un vert divin irisé à souhait. Superbe. La cinquième, c'est la Fauna. Pareil, un vert irisé vraiment magnifique. Et la petite dernière de cette palette, c'est la True of Life. Et c'est le vert mat, le vert bouteille mat qui est voilà. Un joli smoky avec un vert comme ça. Je suis persuadée que ça peut faire un truc du tonnerre, quoi. Donc voilà, alors, je vous montre tout ça une fois que j'essuie un peu mes doigts. La ligne du haut de cette palette, ça donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, là vous avez la première, la deuxième, le vert très pâle, on ne le voit quasiment pas. Et après vous avez les deux irisés qui sont magnifiques, les trois irisés là. Et le dernier, le vert mat qui est juste, juste splendide. Voilà. Donc franchement, pour moi, c'est une palette qui est juste magnifique, quoi. Elle a des couleurs... On peut faire des make-up nude, comme on peut faire des make-up assez puissants, de par les verts, là, qu'on a. On peut faire des trucs vraiment très, très sympas. L'avantage, c'est qu'on peut très bien se faire des choses juste en poser une fois, c'est assez soft. On peut l'accentuer vachement si on en met un peu plus. Voilà, enfin, c'est comme toutes les palettes sleek. Pour moi, la Garden of Eden, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je sais que beaucoup de monde l'a acheté après que je l'ai montré, il me semble. Donc, j'espère que ben, vous en êtes contents. Moi, franchement, je l'adore. Les fards tiennent très bien sur moi, même sans base, ils tiennent toute la journée sans problème, ça ne file pas dans les plis. Voilà. Franchement, moi, Sleek, j'en suis super contente. Je trouve que pour le prix qui est de 9,90€, ça vaut vachement le coup. On a quand même 12 fards, hein. Oui, c'est ça, 12 fards pour 9,90€. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Ça n'a rien à envier aux palettes de grandes marques telles que Urban Decay ou certaines Makeup Forever, ça n'a rien du tout à leur envier. Voilà, moi j'en suis vraiment super 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 contente. Je vous éblouis avec le miroir à chaque fois, génial. Moi j'en suis vraiment super super contente. Franchement, si vous aimez ce style de couleur nude aussi bien dans les rosés, mauve, top, vert. Si vous aimez ce style de couleur, bah laissez-vous tenter parce que c'est vraiment une très très bonne palette. Elle est très jolie. En plus, c'est pratique. Les palettes Sleek sont pratiques parce qu'elles sont petites. Donc ça s'emmène partout. Une fois que c'est fermé, vous voyez, dans la trousse, ça bouge pas, ça prend pas de place. Donc franchement, moi, c'est mes tops, les palettes Sleek, et je les aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions au sujet de la palette, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, même si je mets pas vraiment une petite semaine à répondre, mais je réponds. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!